Bonsoir. Merci Vincent pour ce live stratosphérique qui lance très bien cette soirée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir vous installer. On vous rappelle un peu ce soir le programme de la soirée. On a eu donc le live de Mister V. S'ensuit donc là, je vais vous présenter un petit peu les intervenants de la soirée. On va ensuite assez rapidement passer à la projection du film Slow Violence, ce documentaire de Joanie Lemercier. Ça dure à peu près 30 minutes. Et après, on vous propose une discussion autour de ce film. La thématique ce soir, c'est l'engagement écologique au travers de la production artistique. Comment essayer de faire passer des messages qui nous tiennent à cœur au sein de notre production. On a tous des spécialités un petit peu différentes. Donc le but du débat, ça va être un petit peu justement de discuter de tout ça. Je vous présente tout le monde, du coup. Je commence par Madina Kerr. Salut Madina. Alors Madina Kerr, elle est conférencière sur les enjeux de santé publique, notamment auprès des scolaires. Elle est notamment aussi chercheuse anthropologue sur les sujets de santé publique, de l'enfance, d'engagement des populations, l'environnement également, notamment avec un zoom pendant quelques années dans ta carrière sur les pays d'Afrique et les populations peules. Et aujourd'hui, elle est présidente du Biotope Festival qui se tient tous les ans à Saint-Émilion et qui est également très concentré autour des enjeux environnementaux. Bienvenue Madina. On a également David Carole à côté. Alors David, il est né dans le bouillonnement contestataire de Dublin, notre ami irlandais. Il a grandi dans les banlieues parisiennes, à l'époque au son un peu du hip-hop, du hip-hop naissant. Aujourd'hui, il est songwriter folk. Il est très engagé, il a déjà produit 3 albums qu'il a sortis sur son propre label qui s'appelle Milk Music. Et c'est également pour les Bordelais, vous connaissez sans doute le Slow Fest. Donc il est cofondateur du collectif Slow Fest qui est un laboratoire d'expérimentation de la transition écologique pour le spectacle vivant avec plus de 400 concerts à leur actif, énormément d'événements, beaucoup de déambulations avec des vélos, des sonorisations à énergie solaire. Voilà, donc très engagé également dans ce combat. Et ensuite, on va avoir donc la participation de Joanie Lemercier, le réalisateur du documentaire qu'on va voir, qui est en visio avec nous. C'est un artiste visuel, activiste environnemental. Il explore énormément la perception visuelle à travers la manipulation de la lumière. Il travaille avec des projections lumineuses, une programmation informatique. Il transforme l'apparence des objets. Salut Joanie, on te voit à l'écran. L'apparence des objets et des formes. Et Joanie, ces dernières années, il a orienté sa pratique personnelle et professionnelle en intégrant de plus en plus les questions climatiques et environnementales. Et aujourd'hui, il met ses compétences artistiques au service de groupes militants, comme par exemple Extinction Rebellion. Donc, c'est donc le réalisateur de ce film-là. Je pense que Joanie, je pourrais essayer de présenter le film Slow Violence, mais à mon avis, tu es bien mieux placée que moi pour en parler. J'en dis juste 2 mots. Au travers de ce documentaire, tu dévoiles un peu au public l'une des pires atrocités écologiques d'Europe. Tu as réalisé des heures et des heures d'images filmées par drone, notamment des vues in situ sur le terrain d'installation, dans laquelle tu vas confronter le spectateur à des scènes criantes d'injustice climatique qui se déroulent sur l'œil bienveillant des puissances politiques. Alors, ce qu'on peut te proposer peut-être, Joanie, c'est que tu introduises un petit peu ton film, que tu nous en parles, et puis après, on passera au visionnage, puisqu'après après le visionnage, on pourra en discuter un peu plus profondément avec nos invités. Donc, je te donne la parole, Joanie, si tu veux bien nous raconter en quelques minutes un petit peu la genèse de ce film. Super, ben merci beaucoup de m'accueillir et de présenter ce travail qui est très particulier dans ma carrière puisque tout ça est très nouveau pour moi. Je suis un peu dépassé par ce sujet et par cette histoire de mine de charbon. Et en fait, pour essayer un petit peu de faire une introduction, je vais passer très rapidement sur mon travail habituel en tant qu'artiste numérique.
En quelques minutes, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces dernières années. Et puis, je vais essayer de faire une transition entre l'art numérique minimal et la géométrie abstraite et l'urgence climatique et la destruction du vivant par cette mine de charbon. Alors, le grand écart n'est pas évident. Donc, je vais faire de mon mieux en vous expliquant un peu la genèse de mon travail, parce que c'est assez important dans la suite, dans le film, la place de la technologie. Donc, je vais vous passer quelques petites images de mon travail sur l'autre écran. Donc, j'ai commencé à faire des projections un peu par accident. Je ne sais pas si la régie voit la petite pyramide de papier qui est partagée. Là, c'est voilà. Bon, Joanie. Ouais. Donc, voilà. Super. Donc, j'ai commencé aux alentours de 2006-2007. Un peu par accident, j'ai détourné un vidéoprojecteur pour non pas projeter un film, comme je vais vous montrer ce soir, mais j'essayais au contraire de sortir de l'écran. Et donc, en utilisant le vidéomapping, j'ai pu commencer à projeter sur des formes géométriques, sur des origamis en 3D. Il y a un côté un peu magique à l'utilisation de la technologie de cette manière, puisqu'on peut transformer un peu, tu le disais tout à l'heure, avec la lumière, on peut transformer un peu l'apparence des choses. On peut transformer des sculptures en bois en source de lumière. On peut transformer l'architecture en support pour venir un peu déformer la perception du spectateur, et d'une certaine manière un petit peu déformer le réel, en tout cas sa perception. Et donc j'ai eu la chance, je vous expliquerai tout à l'heure en quoi ceci a un rapport avec le film, de travailler beaucoup avec l'architecture sacrée. J'ai travaillé beaucoup dans des cathédrales, dans des églises, ici aux Pays-Bas, pour Nuit Blanche il y a des années. Donc, je passais en gros plusieurs nuits avec mes amis du collectif Anti-VJ à faire le mapping d'un orgue et à comme ça regarder chacun des détails du patrimoine, des cathédrales. On a eu la chance, grâce à Eco Avenir et à Organe Fantôme et Marie, que je remercie beaucoup, de venir présenter à la Basilique Saint-Michel en 2015 un projet audiovisuel où le patrimoine devenait support de projection et support d'une mise en lumière en fait, qui était là pour révéler un peu la beauté de cette architecture et de ce patrimoine. Et puis, j'ai beaucoup exploré l'esthétique industrielle et cette esthétique un peu froide, des recherches autour de la géométrie, du cosmos, de l'abstraction géométrique. Toujours en ayant un peu une envie d'aller chercher des choses dans la science-fiction et dans l'image que je me faisais du futur avec cette idée de projeter des hologrammes. Bon, là, on a une projection sur un écran d'eau. Mais en tout cas, attiré beaucoup par ce que la technologie peut nous offrir en termes de vision futuriste. Donc, j'ai travaillé dans toutes sortes de dispositifs immersifs. Et puis, en faisant beaucoup de voyages, j'ai commencé à vouloir me rapprocher un peu de la nature, un peu plus de la nature, parce que je passais vraiment ma vie dans des boîtes noires avec des projecteurs dans tous les sens. Et j'ai commencé un travail de photographie et de vidéo autour des paysages désertiques. J'ai fait beaucoup de randonnées, donc j'ai eu la chance d'aller capturer le mont Fuji et cette immense ombre qui se déploie sur le paysage japonais sur une centaine de kilomètres. Et donc, voilà, un travail qui a commencé à se décentrer un petit peu de la technologie pour m'approcher un petit peu plus du paysage et de la nature, qui est le cœur du sujet de Slow Violence. Mais donc, avec la technologie, ici, avec des GoPro, j'ai essayé de capturer la nature, d'une certaine manière, comme le font les artistes depuis toujours, pour proposer une représentation de la nature, une représentation du réel, comme ça, avec la technologie. Donc, on a essayé, ici, c'est ma productrice et partenaire Juliette Bibas, avec qui on a essayé toutes sortes de formats immersifs. Là, on fait un papier peint augmenté. Et dans ma recherche autour du paysage, j'ai commencé à vouloir faire des rendus plutôt réalistes. Donc, ici, on a utilisé des logiciels de rendu 3D sur un projet il y a quelques années. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de mon inspiration des films de science-fiction. Beaucoup des mondes que je représente sont quand même assez froids, assez dystopiques. Donc, je fais une recherche sur la beauté des reliefs, des paysages, comme l'érosion, le vent, l'eau, l'air peuvent comme ça sculpter la nature et sculpter le paysage. Et donc, j'ai un peu une obsession pour ces paysages un tout petit peu dystopiques que j'ai beaucoup vu dans la science-fiction, de Dune à 2001, l'Odyssée de l'espace, pour des paysages beaucoup plus cosmiques.
Mad Max m'a beaucoup marqué aussi, un truc très dystopique et très, très dark. Mais en tout cas, j'ai cette vision un peu dystopique a toujours été assez prégnante dans mon rapport au futur. Jusqu'à ce choc, cette sidération esthétique d'abord, et puis sidération totale assez vite. En fait, j'ai entendu parler de la plus grande mine de charbon d'Europe, qui est en Allemagne. Et alors, figurez-vous que ce paysage est seulement à 1h30 de Bruxelles, en voiture. Donc, moi, je suis basé depuis quelques années à Bruxelles et je n'avais jamais entendu parler de ce lieu. Et donc, quand j'ai vu les premières images via un ami, je n'en croyais pas mes yeux et j'ai du mal à comprendre même comment un tel paysage pouvait exister. En gros, pour le faire très court, on a un trou béant de 8 km par 5 dans lequel on a les plus grosses machines du monde qui font 200 mètres de long par 100 de haut et qui, 24 heures sur 24, 365 jours de l'année, creusent par couches successives ce paysage, ce terrain, pour aller chercher du charbon. Le charbon est à 400 mètres au-dessous du niveau du sol. Donc c'est la dernière image que je partage avant de vous montrer le film. Peut-être qu'on peut rebasculer sur la vidéo. Et donc en voyant ce lieu, j'étais vraiment sidéré et presque pétrifié parce que d'abord il y a un côté très esthétique, assez beau, parce qu'on a vraiment l'impression pour le coup de regarder Mad Max 2. Et en même temps, on n'est pas dans une dystopie, on est dans le réel. On est dans ce paysage de fin du monde, d'apocalypse, et on est à 1h30 de Bruxelles, et c'est la plus grande source d'émissions CO2 en Europe. C'est à peu près, ça ne va pas vous dire grand-chose, moi j'ai toujours du mal à comprendre ce chiffre, mais c'est 100 millions de tonnes de CO2 émis chaque année. C'est 270 000 tonnes chaque jour qui passent, et on nous demande de coûter une claque de voir ce lieu, de créer ces images et de partager ces images. Ça l'est toujours. Je suis toujours très ému de voir ce paysage détruit. Voilà, ça fait 3 ans que je retourne sur place régulièrement, que je rencontre des activistes, que je documente, que je vous avoue que je suis un peu perdu parce que bien sûr que je n'ai pas de solution et bien sûr que les activistes de Greenpeace et de plein d'autres depuis 30 à 40 années essayent d'alerter les gens sur cette catastrophe et les lignes bougent très très peu. Donc voilà, j'ai été pris de panique moi aussi. C'est Greta Thunberg qui a utilisé cette phrase il y a quelques années, je veux que vous paniquiez. Eh bien, pour moi, chacun peut avoir des sensibilités différentes. Pour moi, ça a été de voir ce paysage. J'ai été pris de panique. J'essaye depuis un peu dans tous les sens différentes stratégies pour faire quelque chose. Et le film qu'on va vous montrer maintenant est une de ces... voilà, je ne sais pas trop comment le qualifier. Mais en tout cas, c'est une forme de témoignage à la fois sur ce lieu et sur ce bouleversement que peut-être les images peuvent communiquer. Super. Eh ben, merci, Joanie, pour cette super introduction. On est tous un petit peu envieux de regarder ce film, un petit peu presque aussi anxieux de voir un peu ce que tu nous as préparé. Alors on l'a vu, hein, vous inquiétez pas, tout se passe bien. On va regarder ça ensemble, ça dure à peu près 30 minutes et puis après on va attaquer un petit peu les débats et ce sera Madina qui va animer un petit peu tout ça. Donc bon visionnage à tous. Thank you.
Voilà, super. Ça laisse le temps à tout le monde de respirer un petit peu. Merci Joanie malgré tout. Alors on va retrouver de l'énergie parce que c'est vrai que c'est un film qui laisse pas indemne. Et malgré tout, il faut retrouver de l'énergie au travers de ça. Et merci à toi de nous donner ce point de vue en fait qui est inédit quelque part. Je pense que vu du sol, c'est quelque chose qu'on pourrait pas imaginer. Donc merci beaucoup. Je vais pouvoir passer la parole à Madina, qui va nous aider un petit peu à débriefer ça, qui va pouvoir, on va d'abord parler un petit peu de ton film, débriefer un petit peu, et puis on pourra ensuite évidemment échanger avec David également, qui pourra faire un petit peu le lien avec son engagement à lui, Madina également, qui pourra nous parler de son expérience. Et donc sache Joanie que c'était assez étonnant, parce que ici sur site, donc Courmabli, l'église qui est juste à côté a sonné au moment de la destruction de l'église dans ton film, comme un symbole en tout cas, peut-être qui sonne la fin de la récré, on l'espère. Madina, je te laisse la parole, et puis voilà, on a une petite heure de discussion ensemble. Voilà. Merci Romain, merci Joanie pour ce film, et c'est pas simple de reprendre la parole après ces images. Mais du coup, je vais faire appel à mon côté anthropologue, parce qu'en voyant ce film, il y a une résonance très très forte sur le regard qu'on peut avoir en tant qu'ethnologue, c'est-à-dire qui étudie le comportement d'humains, avec un petit H, en groupe. Et en les regardant, on peut avoir ensuite une autre dimension, qui est celle de l'anthropologue et des humains avec un grand H. Et là, dans ce film, je suis aussi bouleversée en en parlant, mais on est plongé dans un regard analytique, je trouve très puissant, de l'humain avec un grand H, un regard anthropologique. Et pendant tout le film, je pensais beaucoup à un film que vous avez certainement vu, qui est Princesse Mononoke, de Miyazaki. Pourquoi je pensais à ça? Parce que dans ce film, on a ce rapport de la mythologie. Et pour moi, dans tout ce film, on est proche profondément de la mythologie. Et la mythologie, c'est ce qui fédère tout peuple humain à travers toute l'histoire de l'humanité. Et là, dans ce film, dans le Miyazaki, déjà, on a une mythologie japonaise qui est structurée autour de la nature, du monde animal et l'être humain, qui est une espèce vivante, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, parmi les espèces vivantes. Et elle doit cohabiter avec. Et puis, il y a une fracture, parce que les êtres humains découvrent une technologie qui leur donne du pouvoir, et ils deviennent force, et ils deviennent une force qui fait peur, et qui va faire basculer et monter en puissance une force symbolique du mal. Et il va y avoir un conflit entre les deux, et ça finit bien, finalement, la rage va passer. Et pour moi, ça, c'est la suite. Malheureusement, c'est une suite catastrophique, où on a cette continuité de combat entre la nature et l'être humain, sauf que là, l'être humain est tellement fasciné, et je pense que c'est aussi là où l'art rejoint la conscience d'être humain sur cette terre, c'est que tu nous traites cette thématique à travers la contemplation, et la contemplation, c'est cette capacité qu'a l'être humain d'observer, de regarder et d'être fasciné. Et tu joues aussi avec ça, parce que cette fascination et cette contemplation, elle a un double tranchant. Elle nous révèle la beauté extraordinaire qu'on voit dans plein de moments dans ton film, et la beauté aussi de choses qui nous fascinent et qui sont en fait abominables, qui brûlent, le feu. Actuellement, on a tous ces feux qui partent et qui sont issus de personnes fascinées par le feu, hein, pour certaines. Et donc, ça touche, je trouve, cette ambiguïté de notre, notre humanité qui a cette plongée dans cette nature, et on ne peut pas vivre sans la nature. Et on est tellement débordé par notre pouvoir de technologie qu'on en arrive à des éléments que tu révèles et qu'on trouve dans le monde entier.
Là, ce qui est en plus, alors pour nous, vivant ici, c'est à côté, comme tu l'évoques, et on a des éléments de ce type absolument partout. Et d'où ce côté mythologique de ton film, je trouve, qui revient retoucher ce qui fédère les humains, le mythe, sauf que celui-ci, il éveille des consciences, j'espère, vitales. Parce qu'on est dans un contexte vital, et je pense que ça va retoucher, je te redonnerai la parole, mais peut-être qu'on a des disciplines, l'art et les sciences humaines, certainement d'autres, mais en tout cas les nôtres particulièrement. Je me pose exactement la même question aussi, et c'est pareil, hein, j'ai modifié ma pratique, de dire jusqu'où on peut rester en étant juste dans notre forme artistique ou notre forme de travail de sciences humaines, sans devenir un acteur ou tenter d'être activiste, parce que c'est ce qu'on voit là. Comment faire? C'est ce que tu as demandé, évoqué tout à l'heure. Heureusement, on évoquera des choses positives qui viennent à des petites échelles. Mais c'est magnifique la façon dont tu as pu traiter. Et vraiment, je trouve qu'on touche ce niveau mythique, mythologique, qui fédère les êtres humains et on en a besoin. Et un petit élément auquel ça m'a interpellée aussi, c'est sur cette capacité de nous, êtres humains, de s'adapter. Et là, on voit quelques personnes. Alors, j'aime beaucoup cette distance hein, où on regarde de loin le comportement des êtres humains et qui vont réagir en petits groupes. Mais en tout petit groupe. C'est ça qui est étonnant sur notre espèce vivante, la nôtre. Finalement, on a des réactions en petit groupe. Si on prend une fourmilière où il y a quelque chose qui vient détruire, elle va réagir en groupe, puis pouvoir reconstruire, exclure l'ennemi. Et chez nous, on a une difficulté à réagir en quantité face à des événements destructeurs qui sont dangereux. Alors, ils sont dangereux pour certains. Pour d'autres, c'est une force économique qui permet de développer autre chose. Hein. C'est un point de vue. Mais par rapport à la nature, c'est très fortement là. Et ça, c'est une des particularités de notre espèce. C'est notre capacité d'adaptation. Et on a un cerveau qui est absolument génial, génialissime, qui impacte sur notre corps, qui s'adapte partout. On peut vivre dans des zones très froides comme très chaudes. Et on peut vivre à côté. Là, quand on voit ces villages qui sont détruits, et particulièrement cette scène de destruction d'un lieu religieux, hein, on touche à nouveau le sacré dans cette façon de le traiter. Moi, ça m'a aussi interpellée en me disant, quand on suit les informations qui se passent en Afrique, par exemple, avec la violence des djihadistes, ça a été des scènes très fortes où on a projeté la destruction des mosquées et qui sont passées partout dans la presse comme un des actes violents qui tue le sacré et qui tue symboliquement autre chose, même Notre-Dame quand il y a eu un accident. Et là, bah, c'est détruit, ça passe comme ça, et pourtant on est aussi sur un lieu historique et sacré. Donc ça, encore une fois, c'est cette chance et ce problème, parce que c'est aussi notre pire ennemi d'être aussi capable de s'adapter à ce qui se passe autour de nous, en finalement développant une sorte de passivité qui peut-être n'est pas assez interpellée par la contemplation et la fascination. Je pense que ça vient toucher des côtés du cerveau qui appellent à la survie et à d'autres éléments. Mais je te laisse la parole parce que du coup, dans ton engagement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, ça implique justement cette question de ne pas juste créer de l'art, mais passer à une autre phase. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Oui. Oui, en fait, comme je le disais au tout début, cette histoire m'est vraiment tombée dessus. J'étais assez détaché finalement des questions, en tout cas de l'action environnementale ou des questions politiques, où j'étais quand même, je le reconnais maintenant, dans une bulle de technologie avec mes casques de VR, mes projecteurs, les voyages aux quatre coins du monde dans les festivals et tout. Et c'est vrai que ce lieu-là m'est un peu tombé dessus et c'est devenu une forme d'obsession parce que j'étais, je crois, tellement choqué et sidéré, c'est un mot qui revient souvent, et les images ont ils ont beaucoup contribué. À l'époque, des mines pas à ciel ouvert comme celle-là, c'était très difficile de voir l'extraction et d'avoir une représentation visuelle assez forte, puisque de toute façon, les mines de charbon n'étaient pas des lieux avec un accès public, etc. Et là, en l'occurrence, c'est la technologie
les petits drones que j'ai utilisés pour filmer, qui m'ont donné accès à cet espace-là. Et donc, il y a une forme d'ambivalence dans mon rapport à la technologie, c'est que j'ai construit toute ma pratique artistique sur l'usage de la technologie, des ordinateurs, etc. Avec, disons-le quand même, dans la tech, il y a une tendance à penser qu'on peut tout régler avec la technologie. J'ai découvert plus récemment le concept du techno-solutionnisme ou du techno-optimisme. C'est l'idée que, quoi qu'il arrive, en fait, on n'a pas tellement besoin de s'occuper du problème, on trouvera une solution plus tard avec des technologies dans le futur. C'est ce qui se passe beaucoup avec les émissions de CO2. Les États et les entreprises, au lieu de réduire drastiquement leurs émissions de CO2, comme on sait qu'il est urgent de faire, on va inventer des mécanismes technologiques ou des imaginaires technologiques comme le carbone capture, l'idée qu'on pourrait récupérer des particules de carbone, de CO2 et les capturer et les enfouir, ou le carbone offset, l'idée qu'on pourrait donner de l'argent à une entreprise, on ne sait où, qui va planter des arbres et hop, tout est réglé. Sauf que quand on regarde en détail, on se rend compte que le carbone offset, la temporalité, quand on plante un arbre avant qu'il y ait une tonne qui soit capturée par cet arbre, il va se passer 30, 40, 50 ans et a priori, il ne va même pas se passer 40 ans puisque les forêts brûlent aujourd'hui. Donc en fait, plus je me suis penché sur ce sujet de la technologie et du rapport entre la technologie et l'extractivisme, plus j'ai ce sentiment vraiment d'ambivalence parce que j'ai réalisé un peu par accident que la technologie et les logiciels que j'utilise sont aussi au cœur de cette machine extractiviste. J'ai une ou deux slides à vous montrer qui sont un peu qui illustrent bien comment j'ai découvert cette histoire de logiciel. Je ne sais pas si vous voyez mes images partagées. Ah voilà. Je vais passer très très vite quelques slides qui montrent à la fois ce dont vous parliez à l'instant, le côté assez beau, assez esthétique. Il y a cette notion dans l'histoire de l'art qui est l'idée du sublime. Ce sont ces paysages représentés par les peintres romantiques allemands qui sont des paysages de montagneux immenses qui sont tellement impressionnants qu'on a du mal à les comprendre. Et là, on a affaire au sublime technologique. On a affaire à une forme de sublime, donc ces immenses paysages inconcevables presque, mais qui sont créés par l'homme. Et là, on a la destruction de ces villages, toujours par les hommes et par les machines. Il faut bien des machines et des bulldozers et des tractopelles pour tout détruire. Et donc, voilà, de découvrir ce lieu à travers aussi l'esthétique et ces images, ça m'a beaucoup bouleversé. Alors, il y a d'autres choses que je n'ai pas encore mises dans le film, qui sont des travaux de documentation d'un autre artiste, un photographe qui s'appelle Arne Müssler et qui documente depuis presque une dizaine d'années tous ces villages qui sont rasés au fur et à mesure. Donc l'église de Immerath que vous avez vue au ralenti dans le film en train de se faire détruire, ça a été détruit il y a quelques années et ça a pris presque une semaine de détruire comme ça bout par bout. Et donc il y a tout un travail fait par cet artiste qui a documenté ces images bouleversantes. Et là encore, c'est la technologie, les réseaux sociaux et Internet qui permettent que ces images soient un petit peu diffusées. Malheureusement pas assez à mon sens, parce que même sans être religieux, je trouve qu'il y a un rapport au sacré qu'on ne respecte plus et au patrimoine. C'est une église qui a été construite en 1891 ou 93, je crois, et donc on parlait d'action et posiez la question de quoi faire en tant qu'artiste. Et donc après avoir été autant bouleversé, j'ai voulu agir sans trop savoir comment. Et donc, j'ai commencé à faire des scans 3D des villages avec le drone. Ça, c'était avant le projet de film. C'était vraiment une espèce de tentative désespérée de capturer quelque chose, d'utiliser la technologie pour représenter un peu ce bouleversement que je ressentais. Ça, c'est la dernière messe d'une autre église de Mannheim. Pas celle que vous avez vue détruite, mais une qui va être détruite dans quelques semaines. Il ne reste plus que l'église. Là, toutes les maisons que vous voyez ont disparu déjà. Les gens ont été expropriés. Les cimetières ont été rasés. Les tombes ont été sorties de terre et déplacées dans des nouveaux cimetières. Enfin, il y a une telle indécence et une telle ignominie dans ces images et dans ces sujets
que voilà, en tant qu'artiste, je ne savais pas du tout comment aborder les choses. Donc j'ai pris des actions immédiates. Ça a été pour moi un tel choc que j'ai arrêté de voyager en avion. Donc maintenant, autant que je peux, je voyage en train. Dans certains cas, comme ce soir, je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais ça fait aussi partie des nouvelles façons de fonctionner avec le studio, de faire des choses en non-présentiel. Et c'est compliqué parce que c'est un changement de mode de vie, mais voilà. Ma première action, ça a été de réduire tout un certain nombre de consommations en général, et puis d'envoyer des projets sans forcément prendre l'avion pour aller aux quatre coins du monde, je le disais tout à l'heure. Ça a été le choc immédiat. Et alors, je parlais du techno-optimisme tout à l'heure. Quand j'ai essayé de comprendre qui était responsable de cette mine de charbon, je suis tombé sur l'entreprise Autodesk. C'est presque une mauvaise blague, mais les scans 3D que je vous ai montrés à l'instant, je les ai réalisés avec des logiciels Autodesk et j'avais aucune idée que ces mêmes entreprises qui font aussi 3D Studio Max, Maya, tous les logiciels utilisés par les architectes, par l'industrie créative, c'est aussi eux qui font en sorte que les machines tournent, que ces machines sont construites, maintenues et tout le training, toute la formation est faite aussi avec Autodesk. Et donc, j'ai contacté le CEO d'Autodesk. Encore une fois, en tant qu'artiste, je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc, je suis rentré dans un espèce de combat comme ça contre Autodesk qui se prétend être ultra verte, etc. Donc, j'ai créé ce site autodesk.earth. Et j'ai découvert effectivement que la technologie est vraiment au cœur de cette industrie fossile. Et donc, j'ai commencé ce travail sur moi-même et sur mon rapport à la technologie. Où finalement, donc, je continue à l'utiliser, bien sûr, mais je me rends compte quand même des impacts négatifs que cette technologie va créer dans notre société, notamment une déconnexion avec le réel et une déconnexion avec le vivant. Donc, j'aime toujours le virtuel, les mondes virtuels, c'est quelque chose que je veux continuer à explorer, mais en étant très, très critique, parce que ce sont les mêmes entreprises qui, aujourd'hui, permettent ces émissions de CO2 tout en cachant très discrètement un maximum leurs activités. Je ne veux pas faire trop long sur le techno-optimisme, mais voilà, pour moi, cette image-là qui est devenue assez célèbre dans les combats climatiques, et je ne mets pas le combat contre la mine de charbon plus en avant qu'un autre. Je pense que chacun a ses sensibilités. Je pense que c'est très important de se réorienter vers le local, le low-tech, reconsidérer son impact, etc. Mais en tout cas, moi, en tant qu'artiste qui utilise la technologie, c'est vrai que je me rends compte maintenant que les gros CEO de la Silicon Valley, c'est quand même principalement la raison pour laquelle on n'est pas encore sorti, on est loin d'être sorti des énergies fossiles, et la raison pour laquelle une partie du monde brûle. Et malheureusement, il va falloir trouver des modes d'action efficaces rapidement. Merci beaucoup, Joannie. Il y a peut-être des questions dans la salle, on ne vous voit pas. À l'extérieur, non. Je peux petite parenthèse. Travaillant sur les systèmes de santé, le modèle du système de santé français avait une durée de vie avec un deadline. Et ça fait quelques années maintenant. Et les nouvelles technologies étaient la grande révolution qui laisser espérer et se dire que c'était la solution de la suite. Et c'est vrai que c'est encore une fois cette notion de fascination. Et merci beaucoup là, de ce témoignage qui est important, en plus d'une personne hyper connectée et sur tous ces éléments-là. Et je pense du coup ça peut être intéressant, David, de prolonger, parce que justement, tu as fait tout un parcours de réflexion sur les formes artistiques, une autre. Mais tout est lié en fait dans les transmissions, et je te laisse la parole pour raconter le cheminement que tu as fait et ce que tu as créé qui tourne à l'heure actuelle et qui est hyper intéressant. Ben, merci. Merci à vous de m'avoir invité et puis à Joannie pour ce choc dont moi j'ai encore un petit peu de mal à me remettre. Avant de parler de Slow Fest, qui est notre action du moment ici sur notre territoire, je vais dire un peu d'où je viens, qu'est-ce qui m'a amené à ça. Moi, je suis auteur-compositeur. Dans ma langue maternelle, on dit songwriter.
Je viens plutôt de la musique folk et rock et j'ai été vraiment élevé musicalement dans un environnement où la musique et l'activisme politique étaient extrêmement liés. Je vais parler de figures comme Bob Dylan, comme Bruce Springsteen ou U2, qui sont des artistes qui ont vraiment forgé ma vision de ce que c'était que la musique et de ce que j'avais envie de faire comme musicien. Donc, quand j'ai commencé à écrire des chansons, ça a été beaucoup des chansons qui parlaient de sujets éminemment politiques. J'ai fait 3 albums avec plein de chansons qui dénoncent plein de choses différentes. Un spectacle d'hommage à quelqu'un de très important pour moi, qui est Woody Guthrie. Woody Guthrie, c'est un peu le père fondateur de la musique folk américaine. C'est le gars qui Dylan a un peu tout piqué et qui est complètement resté dans l'ombre toute sa vie. C'est un génie qui a écrit des milliers de chansons absolument géniales, mais qui, plutôt que d'aller les chanter dans les salles de spectacle à New York ou à Los Angeles, vivait comme un nomade avec les travailleurs saisonniers, les mineurs qui allaient vraiment chanter pour les gens du peuple sur les lieux de lutte, sur les lieux de travail. Et dans ses chansons, il documentait la vie des travailleurs, la vie dans les lieux discriminés, les lieux de lutte. Donc voilà, moi je viens de cet endroit-là dans la musique. Et puis est arrivé en 2015 un moment qui a été un moment de prise de conscience avec la COP21 pour pas mal de monde. On était déjà au courant du réchauffement climatique et de l'urgence à agir. Je veux dire, le club de Rome, qui était l'ancêtre du GIEC, ça date des années 60, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais avec la médiatisation qu'il y a eu autour de la COP21, il y a eu un niveau de prise de conscience qui a été, ça nous a fait passer une marche dans notre conscience de l'urgence à agir. À cet endroit-là, je me suis dit, c'est bien d'aller lever le poing sur scène, d'aller chanter dans des manifs, d'être aux côtés des gens qui luttent, mais si c'est pour à la fin remonter dans le camion de tournée et continuer à émettre du CO2 dans nos pratiques au quotidien, ça sert finalement pas à grand chose. C'est-à-dire que notre responsabilité en tant qu'artiste à avoir un point de vue politique, j'en suis vraiment fondamentalement convaincu. Si on n'a pas quelque chose à raconter sur la cité, sur la société, on monte pas sur scène, on prend pas un micro, on prend pas la caméra. Enfin, c'est notre rôle de montrer. Mais aujourd'hui, notre responsabilité, elle va plus loin. Et là, pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant que citoyenne et citoyen, il est urgent qu'on change nos pratiques. Donc, le point de départ de Slowfest, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait en tant que musicienne, musicien, technicien dans le spectacle, pour essayer de changer nos pratiques de manière à être plus écologique, moins énergivore et simplement moins émettre de CO2, quoi. C'est on en parle tous les jours, mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de réduire la note? Donc quand on regarde, il y a des études assez documentés qui sont sortis, qui montrent que dans à peu près tous les secteurs de l'activité humaine, et la culture n'y échappe pas, il y a 80% des émissions qui sont liées au transport. Le transport des œuvres, le transport des publics, le transport des artistes. Donc une des premières choses qu'on a faites, c'est d'organiser des tournées d'artistes à vélo. C'est quelque chose qu'on continue de faire. On s'est penché également sur la question de l'énergie. Alors,
la question de l'énergie en France, elle est un peu touchy parce qu'on est dans un pays dont je ne sais pas si c'est 70 ou 80% provient du nucléaire qui est une source d'énergie bas carbone, qui soulève plein d'autres problèmes. Mais du coup, on nous sert ça comme argument pour dire non, mais c'est OK, ce n'est pas le souci. En réalité, l'open bar nucléaire, il nous pousse à une débauche de moyens technologiques. Concrètement, hein, quand on se branche sur le nucléaire, on ne se pose pas la question de la puissance de la sono qu'on va utiliser ou de la puissance du projecteur qu'on va utiliser. Quand on se met dans une démarche d'autonomie énergétique, donc à Slow Fest, on a développé une flotte de petites remorques solaires qu'on tire à vélo et avec lesquelles on alimente nos spectacles. Donc on produit avec l'énergie du soleil notre propre énergie. Quand on se met dans cette démarche-là, on réalise à quel point l'énergie, c'est une ressource limitée. Et du coup, on est amené à questionner un petit peu le matériel qu'on utilise. Alors bon, ce projecteur-là, cet écran-là, cet ampli-là, combien il consomme ? Est-ce que je vais pouvoir l'alimenter avec ma remorque solaire ou non ? Donc on remet véritablement en cause toute notre manière de fonctionner. Donc on a démarré avec Slowfest en 2015 et avec un tout petit groupe d'artistes et de techniciens qui se posaient ces questions-là. Aujourd'hui, on est une association avec des salariés, on interagit avec plein de monde, principalement en métropole bordelaise, mais aussi maintenant au niveau régional, on commence à faire pas mal de choses, et on essaye d'embarquer avec nous dans ces questionnements les structures du spectacle vivant, avec comme parti pris de se dire la décroissance nécessaire, elle n'est pas forcément seulement synonyme de sacrifice et d'effort, mais elle peut être aussi quelque chose d'humainement et de créativement stimulant. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne dépense pas en énergie fossile ou fissile, on le dépense en énergie humaine. Et du coup, on se retrouve... J'aime bien prendre l'exemple du camion dans lequel on met tout ce matériel-là. On le met à deux, crac, puis on est parti. Quand on fait la même chose à vélo, on est 15. Et puis on va faire 2 heures de vélo ensemble et on vit quelque chose d'humainement et même de physiquement assez stimulant. On essaye de prendre ce parti pris un peu optimiste, non pas techno-optimiste, mais plus fondamentalement optimiste. Je reviens à Woody Guthrie pour terminer. Il a eu une phrase que vraiment j'aime beaucoup, c'est que l'humain, c'est une machine à espérer. C'est en nous, on ne peut pas faire autrement que d'espérer. On est dans cette matrice-là. Ça nous guide un petit peu dans nos actions du quotidien avec le collectif. Ouais, mais on retrouve complètement la machine à espérer. Ça, je pense que c'est ce qu'on retrouve là aussi, et c'est ce que nous, on développe là, c'est il faut passer par l'émerveillement, parce que tu n'as pas tout raconté. Mais il y a aussi ce rapport à la créativité avec les enfants. J'ai passé quelques années dans le Sahel, où la technologie... on n'y en avait pas. Et c'est vrai que quand on revient ici après 2-3 ans dans les zones sahéliennes où il n'y avait pas l'électricité, en fait c'est un choc en arrivant ici, mais inverse, qui n'est pas positif finalement. Pourtant, je ne vais pas remettre en cause, c'est fantastique, la technologie, l'art. Mais humainement, je rejoins ce que tu racontes, parce que je pense qu'on a aussi ce besoin de sens, en fait, des choses. Et c'est vrai que la créativité, moins il y a de choses... Alors, pardon, hein, toi, tu fais exactement l'inverse, Joanie, de la créativité avec toutes les technologies qui débordent. Mais là, c'est l'artiste profond qui parle, mais l'être humain lambda qui va... On va plus peut-être parfois être stimulé parce qu'on n'a pas grand-chose. Et ça, on retrouve beaucoup en Afrique. Et dans ton projet, ça va beaucoup toucher parce que tu travailles comme ça, toi, avec les enfants, en les faisant créer avec les objets qu'il y a autour d'eux,
de récupération pour créer des instruments, pour les faire rêver, en fait. Et les éduquer. Tu es frigorifié, là. Ouais, j'ai une veste. J'étais pas prêt à cette petite brise fort agréable, mais... On a des ateliers de lutherie sauvage où on fabrique des instruments de musique à partir de matériaux de récupération qui a été c'est un mouvement qui existe depuis pas mal d'années. On s'est mis à cette pratique là en fait dans le collectif en 2017. On a décidé de monter un orchestre résident du collectif parce qu'il y a plein de musiciens avec plein de projets différents, et on s'est dit bon, ce serait quand même chouette qu'on se retrouve tous ensemble pour faire de la musique. Mais il fallait que notre expression musicale soit aussi le reflet de notre démarche décroissante. Et donc, alors je vous ai parlé de la musique folk, mais l'autre univers musical duquel je viens, c'est aussi l'électro. Moi, je suis un gamin des années 90 et de la rave, et qui est aussi un domaine d'ailleurs politiquement qui était extrêmement engagé. Mais donc la musique de danse et la musique de trance, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et donc on s'est demandé comment est-ce qu'on peut produire de la musique de danse, de la musique de trance comme celle qu'on aime, mais sans machine, sans électricité. À partir de ce qu'on a. Et donc on a fabriqué un instrumentarium à partir de trucs de récup, de poubelles, de tuyaux, de bidons, et inspiré évidemment beaucoup par la scène notamment de Kinshasa, qui est vraiment géniale depuis une quinzaine d'années. Il y a plusieurs collectifs qui ont fait émerger toute une nouvelle scène qui nous a tous fait danser, tous fait rêver. Staff Bendabili, Fulu Miziki, qui est venu à Bordeaux, on les a rencontrés le mois dernier. Ça a été un moment très très chouette pour nous. C'est vraiment nos grands frères et nos inspirateurs. Et donc, en effet, on essaye de partager cette démarche là avec les gamins dans les ateliers. Alors sur des choses très très simples, hein, parce que la musique peut être faite avec vraiment n'importe quoi, et avec une boîte de conserve et un bout de ficelle et un bout de bois, on peut réussir à faire sonner un instrument. Donc, c'est un moyen à la fois un peu rigolo et accessible de se rendre compte que d'une part on produit beaucoup de déchets, mais que on peut être créatif avec, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là? Non? Alors, Joanie, tu veux réagir ou j'enchaîne? Je peux peut-être dire un petit mot sur le fait que tout ça me parle beaucoup. Moi aussi, qui viens pourtant de la super haute technologie, il y a un peu cette course dans ma génération d'artistes qui travaillent avec les ordinateurs et avec le code. Cette course au dernier gadget, il faut dire ce qu'il y a, hein, mais on a tous un peu cette obsession d'avoir la dernière Kinect, la dernière caméra 3D, le dernier drone, le dernier truc. Et en fait, moi, ça fait une petite quinzaine d'années que j'ai cette pratique, et de plus en plus, je me rends compte que cette course à la dernière nouveauté, d'abord, c'est un peu une illusion, parce que je regarde les meilleurs projets que j'ai pu faire ces dernières années. En fait, je les ai faits avec un vieux laptop et avec pas grand-chose, finalement. Et pourtant, j'ai continué pendant longtemps à acheter le dernier serveur, la dernière carte graphique, etc. Et donc, il m'a fallu presque 10-15 ans pour me rendre compte que cette espèce d'idéologie du neuf, du tout dernier téléphone, etc., en fait, c'était assez bidon et c'était... une course à rien, après rien, parce que finalement, la technologie continue de ralentir avec l'obsolescence programmée, et puis on fait rien de plus qu'il y a des années. On a toujours les mêmes apps sur lesquelles on passe de plus en plus de temps et trop de temps. Et bref, oui, moi, ce qui me parle beaucoup maintenant, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, c'est revenir vers le low-tech, vers des choses qui font du sens, vers aussi comprendre nos consommations.
J'ai l'impression que le monde capitaliste hyper extractiviste dans lequel on vit a besoin qu'on ne comprenne pas combien d'énergie on consomme, combien de notre rapport aux ressources. Et là, tout d'un coup, pour des raisons géopolitiques évidentes, et puis parce que les énergies fossiles ne sont pas infinies, tout d'un coup, on se rend compte que on va peut-être plus avoir un accès abondant, illimité et facile à toutes ces ressources. Et comme le modèle économique et le PIB est basé uniquement sur notre consommation de ressources, espèce de même le gouvernement enfin nous parle de la fin du dogme des énergies infinies. Donc voilà, ça me parle beaucoup moi d'essayer de comprendre nos consommations, les réduire et se rendre compte qu'on peut même être plus heureux. Donc j'arrête de prendre l'avion et je commence à faire des road trips en vélo beaucoup plus longs avec mon frère que je voyais de moins en moins parce que on a tous les deux des vies très 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 intenses. Et donc chaque année, on prend une semaine, deux semaines et demie et on part en vélo découvrir un coin de France. Et en fait, c'est assez fabuleux, vachement plus intéressant que d'aller passer 10 jours à Bali pour faire la queue avec les touristes. Et voilà, en tout cas, c'est un espèce de shift de perspective sur le monde que moi, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu un peu plus tôt. Et du coup, j'appelle un peu mes amis qui sont artistes numériques et qui sont encore beaucoup dans cette course à la technologie et cette consommation énergétique infinie et cette illusion de l'abondance. Je les appelle un peu à une espèce de sursaut pour que les gens se repolitisent un peu et puis se posent la question des valeurs et merci, mais peut-être qu'il faut un choc, comme ce que vous avez eu, quand on peut avoir des chocs culturels d'un ailleurs ou découvrir quelque chose comme ça. Je crois que là, on se retrouve tous les trois là-dessus assez fortement. Et ça me faisait penser sur les déplacements, c'est un éloge de la lenteur, en fait, aussi. C'est ça qu'on retrouve dans ce film. C'est aussi, tout d'un coup, on est très lent sur des images lentes, on se positionne et du coup, on est réceptif à ce qui se passe autour et à le comprendre. Et du coup, je vais quand même parler, comme tu l'évoquais, de biotope, parce que finalement, dans l'art, moi, je suis convaincue, alors, plus que tout, que c'est une porte d'entrée pour... je travaille avec des jeunes à la rue, à Ouagadougou. C'est à travers des formes artistiques, de la musique et du théâtre qu'on faisait un cheminement vers autre chose. Donc, je suis 100% convaincue que c'est grâce à l'art qu'on peut... faire avancer, évoluer dans n'importe quoi les êtres humains et peut-être même les animaux et d'autres, parce que plein d'espèces vivantes sont tellement réceptives aux formes artistiques. Et dans mon cheminement en parlant des sciences humaines, en ce qui me concerne, face au choc justement de ce que je voyais ici sur les destructions d'arbres, les monocultures intensives, que ce soit viticoles ou autres, on a créé une association dans le Grand Saint-Émilionnais qui s'avère, le Bordelais, une des zones françaises parmi les plus polluées en fait en termes de pesticides et autres. Et on utilise en fait des choses très similaires. J'espère qu'on vous invitera virtuellement ou physiquement aussi. Tu pourras venir à vélo, ça fait un petit parcours. Mais en fait, on s'est dit, et ça on l'entend chez tous les deux, de prendre pour porte d'entrée les enfants. Parce qu'en fait, c'est compliqué de prendre en frontal les adultes. Et d'accompagner pour pas justement entrer dans l'attaque, de dire voilà, il y a ça qui est bien, pas bien, c'est pas le but en fait. Alors ça peut l'être, justement, de se dire on va en choc et puis on bouleverse les gens. Puis après, de se dire il y a aussi un autre travail dans la lenteur, justement, sans se précipiter, et de se dire on va faire un petit travail dans le temps, sans définir de temporalité, et lentement, en essayant d'introduire des notions que vous avez évoquées, de se dire quelle énergie, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on a besoin, et de faire aussi un rapport à la transversalité. Il y a l'alimentation qui peut être touchée, les arbres, la façon dont on se comporte, ce qu'on consomme, qui on est par rapport aux autres espèces animales, se comparer avec les autres cultures du monde, et de se dire qu'en questionnant tout ça, en faisant prendre conscience de la transversalité des enjeux qui sont extrêmement complexes, on peut le faire en prenant le temps, en prenant un thème par an qu'on aborde avec les enfants toute l'année. Donc on intervient dans une centaine de classes durant l'année, parfois avec une conférence et d'autres on fait 3 ateliers par an de façon répétée. Sur le territoire, il y a 24 communes, et puis on vient aussi vers Bordeaux et ailleurs, particulièrement auprès des lycéens.
Et on fait un festival une fois par an. Alors à côté de ça, on accompagne les restaurations collectives aussi pour réfléchir à comment ils mangent et l'art culinaire, parce qu'on a aussi cet art. Il faut qu'il y ait du plaisir en fait et de l'émerveillement aussi dedans pour avoir envie de changer quelque chose, parce que comme tu disais, si c'est que de la contrainte, on n'a pas du tout envie. Et on a aussi fait des ateliers avec des arbres-brassons, je pense que tu connais. Qui émerveille. En fait, le but, c'est toujours émerveiller. Pour se dire, si on émerveille tous les ans, on fait passer des messages, mais on donne envie d'avancer et de cheminer lentement. Et on fait un festival par an, qui, l'objectif, c'est de se retrouver et de se réinspirer pour les années suivantes, pour qu'il y ait tout le temps quelque chose. Donc, on a des artistes de la parole et des artistes de toutes sortes. Et on essaie à chaque fois aussi de travailler sur une pédagogie de comment faire un festival en étant autant qu'on peut responsable dans ce qu'on utilise et autres. Mais là, maintenant que je sais comment tu fais, on va encore plus s'inspirer et on espère pouvoir t'inviter. Et on prévoit avec Organ Fantôme de faire... on a un avion. Un partenariat pour la 10e édition, bon, qui sera dans... On en est à la 7e, donc il y a un peu de temps, mais ça permettra de le projeter. Et on serait ravis peut-être de travailler ensemble. Donc merci beaucoup, beaucoup Romain d'avoir ça. Et moi je retiendrai qu'on a besoin de contemplation et donc de lenteur. Je peux juste faire un petit rebond sur ce que tu disais. Juste sur le frontal. Et les différentes manières d'œuvrer en fait. La transmission, c'est hyper important. La contemplation, la lenteur et le travail esthétique, c'est hyper important. Mais le frontal et les lieux de lutte, c'est aussi super important. La politique, c'est un rapport de force. Et dans les rapports de force, les artistes ont un rôle à jouer. Parce que, bon, d'une part, ils ont un regard, ils ramènent parfois du monde sur les lieux de lutte. Et donc, c'est très, très important de... J'entendais Joanie qui disait tout à l'heure en intro qu'il faisait des choses avec Extinction Rebellion. Voilà, enfin, toutes ces manières d'œuvrer cohabitent et voilà, on a besoin d'être sur tous les fronts en même temps. Attention, lenteur, c'est pas passivité. Je corrige. Ça veut pas dire on intervient aussi sur des trucs. Il y a les moments d'urgence, comme ce que tu montres. Là, il y a l'action directe qui se fédère. Mais là, il y a le nombre qui est important aussi. L'art, le nombre, etc. Vas-y, Joanie. Oui, je voulais peut-être rebondir sur cette idée d'action directe aussi, qui s'inscrit pas forcément dans mon travail d'artiste, mais qui est une activité annexe, entre guillemets, en tant que plus que citoyen et qu'humain. Et j'ai quelques images, je ne sais pas si elles peuvent apparaître sur l'écran, vraiment une illustration de ce qui vient d'être dit à l'instant. Et alors, c'est assez drôle parce que donc maintenant, je fais partie d'Extinction Rebellion, de N2 Gelände en Allemagne et de Friday for Future aussi. J'essaie d'aider beaucoup de groupes. Et là, il y a 2 ans, on a bloqué la centrale charbon, une des 4 centrales charbon qui est juste à côté de cette mine. Et donc, moi, j'étais là un peu en tant qu'observateur extérieur avec mon drone et j'ai fait des images. Et dans cette volonté de mieux comprendre mes consommations énergétiques, j'ai commencé à essayer de réduire mes usages, donc en utilisant des projecteurs LED et des petites batteries portatives. Et en fait, de fil en aiguille, en voulant réduire mes consommations, j'ai pu commencer à être mobile. Puisqu'avec un laser, on n'utilise plus 300 ou 400 watts comme un projecteur, mais ça, c'est un laser 2 watts qui me permet, comme ça, avec un sac à dos, de faire des interventions dans l'espace public. Et donc, avec Extinction Rebellion, j'ai participé ici sur Buckingham Palace ou sur le Parlement anglais, ou avec N2 Gelände dans la mine, en fait, pour soutenir les activistes à un moment clé de la lutte. On ne le voit pas là, mais dans le coin, en bas à gauche, il y a 1500 activistes qui bloquent cette mine. Et donc, ce travail de lumière n'est plus présenté dans des galeries ou dans des festivals, mais présenté dans ce contexte de lutte où je vais venir sur la centrale charbon, afficher des mots forts. Ici, je traite l'entreprise RWE de la mafia du charbon, qui est un mot qui m'a été rapporté par des habitants locaux. Et en fait, ce statut d'artiste me donne quand même une position un peu protégée
où je peux avoir comme ça des mots très très forts parce que j'ai cette excuse de créer des images, des œuvres d'art, etc. Donc je pense qu'il faut se saisir de cette opportunité et de ce statut un peu sacré et protégé, entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire, pour venir un petit peu confronter ces grandes puissances fossiles. Et donc oui, pour moi, il y a une... Ça, c'est triste. La technologie. La technologie. Je vais essayer de rebondir là-dessus. Je pense qu'on peut remercier Joanie. On va le rappeler pour le remercier. On peut applaudir aussi. D'une part, Joanie, pour son documentaire. Je pense qu'on a tous... le revoilà peut-être, Joanie. Et voilà, salut Joanie. Me revoilà. J'avais terminé, j'étais sur la dernière phrase. Merci j'étais en train de meubler, Joanie, tant bien que mal. Et on était en train de te remercier, parce que, encore une fois, merci pour ce film documentaire qui met un sacré coup de pied aux fesses. Et on en a besoin. On a besoin de ces coups de pied au cul. On a besoin de la mobilisation. On a vu tous ces petits hommes blancs là qui, tant bien que mal, essayent de se frayer un chemin jusqu'à la mine. On a besoin du Slow Fest qui propose ces événements à vélo. On a besoin du Biotope qui parle des pesticides en plein Saint-Émilion. Et ce soir, on a besoin d'Éco à venir et on remercie tout le monde d'être venu. Merci à tous. Je remercie notamment, justement, on parlait... de technique, toute l'équipe technique, les Pixels, Bobo, Loïc, là, qui depuis 24 heures maintenant essaye de dénouer des problèmes de réception et on a réussi à avoir un stream impeccable ce soir. C'était en direct sur Bordeaux Culture, sur les sites de la mairie de Bordeaux, sur nos sites internet, donc là tout le monde a pu profiter un petit peu de ça. Et donc cette mobilisation, voilà, en tout cas, à Éco à venir, on essaie de donner un peu un tournant aussi dans notre proposition. Ça fait 10 ans maintenant. Et on essaye de donner ce tournant aussi, cette implication écologique et dans plein de combats qui nous paraissent importants. Et on va continuer avec votre aide, évidemment. Donc on vous remercie, Madina Kerr du Biotope, David Carole du Slow Fest et Joanie pour toutes ces actions. La cloche ressonne à nouveau, c'est la fin de la récré. Donc on se retrousse les manches et on s'y met une bonne fois pour toutes pour essayer de changer les choses. J'en profite tant que j'ai le micro parce que j'adore discuter et parler. Le festival Éco à venir, il commençait ce soir. Demain, on fait un vidéo mapping sur l'église Saint-Pierre. Il y a une exposition sous le miroir d'eau, oui, sous le miroir d'eau. Une croisière musicale. Et samedi, on clôture le festival au CAPC, au Musée d'art contemporain, avec toute l'équipe d'architecture également. Donc, vous voyez, cette espèce de convergence des luttes, elle est à travailler. Merci à tous. Merci aux spectateurs qui étaient là. Et puis, merci encore à vous trois d'être venus. C'était hyper intéressant. S'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit au niveau du streaming ou ce soir dans le public, on s'engage là avec Organe Fantôme. Vous nous envoyez vos questions et on fera des réponses communes. On répondra un petit peu à tout ça. Et puis, je sais que là, dans le public, il y a des experts de l'énergie, etc. Donc, il y a un petit pot qu'on va partager ensemble avec de la musique là pendant encore une heure. Donc, n'hésitez pas à aller boire un coup et on va discuter de tout ça. Merci à vous trois et à la prochaine. Merci et bravo à vous, à l'équipe, beau festival.